Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, j'ai rapatrié mes troupes en France. Hein. Et entre temps, vu que j'avais de l'argent à dépenser, je fais un petit banquet. Hein. Et j'ai gagné de l'argent aussi, donc c'est super. Hein. Je pense qu'il commence à m'apprécier le pape, étant donné que je fais beaucoup de guerre sainte. Ah d'ailleurs ça me fait penser que je voudrais vous montrer quelque chose mais je sais plus comment on accède à ça. Chef, pas arme de royaume. Voilà. Autorité religieuse. Alors, dès que vous avez une autorité religieuse, vous avez... Plus l'autorité religieuse est importante, plus vous avez de... Comment peut-on dire ? De faibles taux d'hérésie dans le royaume. Donc par exemple, religion organisée, vous êtes déjà 20% de ça, d'autorité, plus 10 parce qu'on a Cône, Rome, Saint-Jacques, Canterbury, etc., etc. Les temples qui ont été construits, les guerres, les trucs négatifs, c'est quand vous perdez les guerres saintes. Je pense qu'on peut voir pareil ici pour le patriarche, attendez deux secondes, patriarche. Patriarche, j'aimerais voir. Donc, plus vous avez une religion forte, moins vous avez de chances d'avoir des problèmes de religion. Mais vous pouvez aussi avoir un petit défaut, si votre religion est faible. C'est justement pour ça que les guerres saintes sont parfois évitées. C'est que si vous perdez trop de guerres saintes, votre religion devient très faible, donc vous avez beaucoup de rébellions chez vous. D'hérésie plutôt. Qui dit hérésie dit mécontentement du peuple, qui dit mécontentement du peuple dit bien évidemment guerre, etc. Avec tout bien évidemment les conséquences qu'on connaît, hein, on est habitué. Vous êtes toujours au même bordel, hein. C'est le même cycle, donc c'est pour ça que j'ai toujours après de... Non, pareil, est-ce que c'est... À la fin, c'est quand même répétitif, hein, c'est... Ah, je peux vraiment tiquer d'avoir. Ouais, allez, hop. Guerre contre machin. Je peux lui faire guerre, oui. Non, pas de raison. Je peux lui faire guerre. Non, pas de raison. Donc, c'est vraiment des choses à savoir, ça, parce que c'est... Ça m'est arrivé une fois, bon... C'est vraiment quelque chose en fait de savoir parce que ça peut arriver que vous ayez des problèmes. Ça m'est déjà arrivé une fois avoir des gros problèmes religieux dans mon pays. Bon, le fait d'avoir une bonne armée, ça comble le problème, mais ça reste néanmoins quelque chose qui peut être très préjudiciable à long terme. Faut être honnête. Faut être complet. Donc faites attention à ça. Hop, Navarre. Est-ce que je vais dans ces guerres là? Non, je vais pas envoyer mon roi. Oui, j'ai même plus peur en fait, j'y vais comme ça à l'aveuglette. 24 000 hommes, ouais. Avec juste ces troupes là, j'en ai quasiment autant que l'autre quand même, c'est quand même pour dire. Cette fois-ci, je vais l'aider en fait dans sa guerre parce que plus elle a de terre,
vu qu'à la fin je vais être héritier de son royaume, plus ça va m'appartenir au final. Donc je l'aide, elle gagne des terres, donc techniquement je pense même pas que j'ai besoin de l'aider. Hein. La dernière fois elle a perdu, je sais pas pourquoi elle a perdu, elle a comme 18 000 hommes contre 12 000, donc... Elle attend, elle regroupe ses troupes pour dire... Ouais, elle regroupe ses troupes, donc ça devrait le faire. Normalement, j'ai même pas à m'en occuper de cette guerre. Donc si jamais j'ai besoin, je dois intervenir pour l'aider, j'interviendrai. Je vais pas faire comme j'avais fait le dernier coup, j'ai dit ah ça a embêté, non. Que dernière fois c'était parce que je n'étais pas sûr d'hériter à la fin et j'étais pas sûr de tout d'hériter en fait, ce que j'ai besoin d'hériter, faut être honnête. Ça va arriver à Piscay. Aïe aïe aïe, ça va faire très très mal. Bon, on va préparer ça. On va préparer les troupes derrière. Je sens que je vais avoir très mal dans, quand il va m'arriver dessus. J'ai pas envie de lever en plus toute mon armée française parce que voilà, c'est... Je pense que je vais avoir 16 000 hommes, voilà, exact, pas bonne plus. Oh, bah, finalement non, pas besoin. Ah mon dieu! Oh mais il a dérouillé qui s'est pris l'autre. Là, une autre guerre pour revendiquer bien évidemment ce qui m'appartient de jure. Donc, voilà. Et là lui il a fait un mariage. J'en tire aucun bénéfice, donc c'est pas grave. Royaume d'Aragon. Me dis. Ah d'accord. Oh, t'es revenu par lui. Ouais, ça devrait être bon. Ah ah ah, d'accord. Oui, j'hérite quand même de son royaume à elle. Ça me rassure. Bon. D'accord, elle s'est mariée en fait à un autre, une super puissance aussi de là-bas, donc... À eux deux, je pense quand même qu'ils vont gagner cette guerre. Si le coup, je dois intervenir dans cette guerre-là, c'est quand même qu'il y a un problème dans leur armée. Faut quand même pas rigoler, là, vu ce qu'ils ont... Pour perdre, faut en vouloir. Faut être honnête... Même moi, je pourrais pas perdre. D'accord, ils sont aussi en guerre contre la Géorgie, voilà pourquoi. Là, ça fait penser que la Géorgie a quand même pris une sacrée importance. Merci, voilà. Moi, j'ai fini mes guerres ici. Et donc on va repartir là-bas pour peut-être encore une ou deux guerres saintes, hein, qui sait bien. Allez hop, encore quelques guerres saintes là-bas à faire. Par contre là je créerai un château pour donner tous les trucs à quelqu'un, ce casque va vraiment être lourd quand même. C'est vraiment dur en fait d'avoir tous les bateaux d'un coup parce que avoir étroit, avoir des rois c'est quand même pratique parce que vous levez plus facilement vos troupes quand même.
Ceci est indéniable. Mais bon. Voilà, ils gagnent leur guerre maintenant. Mais bon. Elle a gagné sa guerre, moi je garde. J'ai gagné mes guerres. Petite rébellion, rien de mal, mais j'arrive pas à y garder, mais non, je pensais pas à ce divorce. Non, je regardais. Je voulais savoir en fait s'il était possible de demander une guerre sainte. Je sais pas comment on fait, donc je pense que c'est faisable. Mais après, comment on peut le faire, je sais pas. Donc si je mets quelqu'un qui sait comment on fait. Hein. Pensez à moi. Ça m'intéresse. Oui, dans cette troupe, je pense. Un truc qui est quand même pas mal, c'est que Saint-Empire est avant ici à peu près. Ou même plus comme ça, je pense. Maintenant, ici sa frontière. J'ai vraiment découpé Saint-Empire. C'est... Hop. Perdu ? Non. Vous moquez de moi là. Et on rassemble les troupes, on y retourne. Ah. Ouais, je m'agarre là. Comme là, ça ira 10 fois plus vite en envoyant ces troupes. Ce qui est bien au moins dans ce qui est marrant, c'est que il y a des tonnes de guerres ici. Ah bah non, finalement il y a un temps pas. Ah. C'est un temple. Moi, il y a du guerre. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas de guerre. Hein. Personne qui dit que je conquéris pas le monde, là. Hein. Ils pour regarder, hein, là, je peux pas faire plus. Hein. Voilà, hop, gagné. Non, ce qui est bien, au moins, c'est que on conquérit assez vite quand même les régions. On est une armée redoutée, faut dire ce qui est. On n'est pas la petite dernière armée quand même. Et on fait ce qu'on veut quand on veut. Il y a ça aussi qui est important. Alors, la décadence. Quelque chose d'important, c'est que avec les musulmans, c'est que plus vous êtes décadence en fait, vos revenus de domaine diminuent et surtout vos règles du domaine diminuent. Donc quand vous faites une guerre contre ces personnes là, c'est tellement plus simple. Quand je dis tellement plus simple, voilà, parfait, la reine d'Hongrie a plus à gagner. Voilà, c'est on va même récupérer ça. Voilà, parfait.
Nous, on continue nos guerres. Gagné, waouh, c'était... Hein? Ah, le petit salaud. Il est devenu chrétien. Pour pas que je conquérisse, il est devenu chrétien, celui-là. Je récupère en plus. Toi, je vais. Disons que la chose qui m'étonne beaucoup quand même, c'est que dans mes guerres, même dans mes mariages en général, c'est que dans les guerres déjà, je puisse pas faire autant de garçons que je veux, là ça m'étonne. Mais aussi le fait que quand je fais des mariages, il n'y a quasiment personne qui est roi ou empereur. Que normalement, à ce stade de la partie, il y en a beaucoup. Peut-être que par la suite, ça augmentera, mais pour l'instant, c'est bizarre. Allez, hop. Mais bon. Oh bah c'est bien. Si en plus maintenant que le pape nous soutient dans nos guerres, on va pas se plaindre. C'est bien, on a gagné 200 d'argent parce qu'on fait une guerre juste pour le pape. Que des filles. Attends, moi je retourne, ouais. Je sais pas ce que je peux faire plus là, parce que... Je... 75, je pourrais tellement recruter des mercenaires pour les guerres maintenant.
Bon, vu qu'elle a rejoint son mari dans la guerre, on va prendre ses territoires elle aussi. Ingersand, ça c'est pas un casus belli ça? Non? Bon bah tant pis. Allez, au cachot. On arrête là pour l'instant parce qu'ils vont vraiment m'énerver. Père me change d'avis tous les 2 secondes. On va pas forcer. Qu'est-ce que me fait Acasti là? Ah, me dites pas qu'Acasti veut me récupérer l'Aquitaine quand même. Il me fait ça, j'ai explosé Acasti. Kaiser, bientôt fini, à trêve aussi. Acasti veut récupérer le Poitou, mais c'est moi qui ai le Poitou. Acasti cherche les embrouilles. Déclarer la guerre. On débarque les troupes ici et on fait notre guerre. Au moins, on a moins de... On peut faire 2 guerres, on peut récupérer 2 parties d'un coup avec 1 guerre, c'est pas forcément mal. Mais le point négatif, c'est que la Acasti a récupéré encore une partie de l'Aquitaine.
enlève des troupes, on les envoie ici. Brave. On remplace, on reforme. Je me suis planté, mais c'est pas grave. Je me suis planté dessus, je vais pas demander qui forme plus de troupes. Tant pis. Voilà, hop. J'ai une baronnie ici, personne ne me le dit. Allez. Duché un truc là, lever, enfin on s'en fout, Bourgogne on prend, Normandie on prend, Scanie Bretagne on prend, Provence on prend, Gascogne on prend, Luxembourg. Excusez-moi, téléphone. Voilà. 23 000 hommes ici. Yeah. Au moins, en Finlande, j'ai une force très présente, bien fort. Bien finir cette guerre au moins avant la fin de la vidéo. Mais bon, pour ça, il faudrait que ça aille un peu plus vite. Ma rébellion partout là. Je vois que mon peuple est très gratifiant envers moi. On va y aller tout de suite. Je sais pas ce que fait avec Saint-Empire, il m'a toujours envoyé aucune armée. J'ai aucune armée, c'est vraiment aucune armée capable de me faire des dégâts. Hein. Ah, deux secondes. Bon. Défensive. Lui. Elle est prête.
J'ai une armée beaucoup plus puissante parce que j'ai beaucoup moins de troupes légères. Et que étant donné que mes piquets sont adaptés au combo de défense. Ouais c'est ça. Bon, par contre mon armée a dû en prendre un sacré coup. Magnifique en tout cas, magnifique guerre. Ah mince, j'ai complètement oublié de, virer les troupes là. Voilà, c'est ceci que nous avons récupéré. Ouais, arrêtez. Ah, j'avais complètement oublié qu'ils ont changé ça. À une époque, on pouvait lever les troupes, en fait, et était tout de suite pro au combat. C'est juste pour donner un petit temps de latence. Donc voilà, c'est... pas meilleure mise à jour qu'ils ont fait mais bon. Donc voilà, on va juste changer ça. Faire un petit tour de technologie et on s'arrêtera là. Et nous occuperons toutes ces rêves dans la prochaine vidéo. Hein. Comment s'est passée cette guerre? What Cassie est en train de gagner. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.